Wayo les amis, wayo et bienvenue sur la matinale de Kabuki. Aujourd'hui on est sur l'épisode 3 de Digimon Survive. Voilà, on l'avait commencé un dimanche matin, on avait fait quelques heures. Et puis on l'avait fait en matinale la semaine dernière. Donc là c'est l'épisode 3, cet après-midi. Donc ce midi à 12h30, ça sera... On continue Xeno 3. Je continue à découvrir les maps, c'est un truc de fou, le jeu est immense. J'en suis toujours au chapitre 4 et à plus de 75 heures de jeu, quelque chose comme ça. C'est assez énorme. Donc sûrement qu'on fera une quête de héros, ou peut-être qu'on continuera l'histoire, ou simplement qu'on se baladera pour farmer. Mais ça sera cet après-midi. Pour Digimon Survive, bah, on continue l'aventure. Là, on avait passé le prologue, on est toujours au chapitre 1. J'espère que vous vous réveillez bien. Voilà, c'est mardi matin. On avance tout doucement vers la semaine, vers la fin de la semaine, sur lequel on aura un week-end, pour la plupart d'entre nous, de 3 jours. Donc ça, c'est cool. Réveillez-vous en douceur, préparez-vous bien pour le taf. Nous, on part dans le monde de Digimon. Voilà, on est quand même... Non, c'est pas... on connaît pas le nombre d'heures. On sait où on en est, mais on sait pas combien d'heures on a fait. Je pense qu'on a 5 heures de jeu, un truc comme ça. 4 heures, peut-être. Alors, on devait visiter l'école, si je me souviens bien. On avait testé les combats libres. Alors, on va aller dans la salle de classe. Ben, là, c'est là où on était au départ. Où il y avait toutes les toiles d'araignée qui étaient apparues. Est-ce que Aoi est ici? Je pense pas, puisque c'est de là qu'on part. On va quand même mettre un petit coup d'appareil photo. Voir s'il n'y a pas un petit glitch. Voilà, sinon pour les news Planète Nintendo, il y a un Splatoon 3 direct demain à 15h sur les réseaux sociaux de Nintendo. J'espère qu'on va en apprendre plus sur les nouveautés de ce Splatoon. En tout cas, c'est toujours bon un petit direct. Bureau. Les bureaux sont rangés au hasard, on ne verrait jamais ça dans une école. Ils sont en bois, ils doivent être lourds à déplacer au moment du nettoyage. La carte, non ça c'est carnet. Ça doit être plus, non. Je ne sais plus comment on va sur la carte. Casier, on va quand même explorer cette chambre. Cette chambre, oula, c'est dur. Cette classe. Hein, il y a quelque chose par terre. Oh, ça pourrait être utile, je ferais mieux de le prendre. On va regarder un petit peu tous les éléments de la classe. Donc on avait fait bureau là, on va faire bureau ici. Burk, il y a même des toiles d'araignée dans les tiroirs.
Ça, c'est un peu abusé. C'est une lampe magique. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Comment ça s'utilise? On peut l'allumer et brûler des choses. On pourrait aussi s'en servir comme une lampe. Mais impossible de l'attraper pour l'instant à cause des toiles d'araignée. Ah, Erf, en effet, même mes griffes ne servent à rien. Berk, c'est collant. Ça nous serait sûrement utile, mais il faut d'abord se débarrasser de ces toiles. Et qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est toi, Ryo. Comment dire? J'ai bien compris, vous voulez faire fondre ces toiles d'araignée, non? Bon, j'arrive. Tchou. Je pense que le vinaigre devrait fonctionner. Vraiment? Tu crois? Je m'amusais à retirer des autocollants chez moi quand j'étais petit. Ça énervait ma mère. On m'avait expliqué que c'était plus facile d'enlever des autocollants avec du vinaigre. Ma petite maman était vraiment cool à l'époque. Petite maman? Hey Gemo, bienvenue sur la matinale! Écoute, ça va bien, c'est mardi et puis on se rapproche du week-end de 3 jours, donc je vis ma meilleure vie dans Xeno 3, tout roule. Ah, je suis là pour Digimon Survive, ça fait plaisir. Ouais, en plus c'est que le troisième épisode, donc t'as pas loupé grand-chose. On est retourné à l'école et donc il y a plein de toiles d'araignées qui sont apparues. Beaucoup, hein, beaucoup de toiles d'araignées. Donc on enquête et on a perdu Aoi. Du vinaigre, hein? Merci Ryo, ça nous aide beaucoup. Allons chercher du vinaigre, Agumon, c'est parti. Pas besoin de le dire deux fois. Alors je cherche le bouton pour ramener à la carte. Menu, 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 c'est plus, voilà. Mais c'était pas ça. Est-ce que c'était moins un nom? X, non, Y. Le même bouton, A. On l'a déjà vu. Normalement, on doit pouvoir changer de pièce, en fait. Alors, explorer le site, non. Ouvrir la carte, je regarde en bas les boutons, appareil photo, ouvrir la carte, ZL. Ah, c'est dur le matin. Donc, on a du monde dans le couloir. J'espère que ça va bien pour toi aussi, Gumo. T'es au taf, là? Minoru est là, je devrais lui parler. Alors, on a l'étoile d'araignée, Agumon, le plafond, porte du gymnase, Falcomon et Minoru. On va commencer par l'étoile d'araignée. Mais quand même, qu'est-ce qu'il y a comme toile d'araignée? Berk, le sol est tout collant, c'est dégoûtant. Oui, c'est un peu trop grand pour un simple toile d'araignée. Et ces fils sont trop épais pour être des toiles, ils sont vraiment collants. Gumo, oui, tout va bien au taf, la dernière semaine avant les vacances, c'est... Oui, ça y est, ça approche. À la dernière semaine, c'est la meilleure et la pire. Oui, cette toile n'est pas normale. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ça, c'est bon, on l'a vu. Minoru, on y parlera après. Porte du gymnase. Le gymnase est juste devant, mais la porte est bloquée par des toiles d'araignée. Les fils sont collants et élastiques. Ça ne va pas être facile de les couper. Attends, quoi? Je n'aime pas ça, Takuma. Je n'arrive pas à ouvrir la porte qui mène à l'extérieur. Quoi? Malédiction, même ma force n'est pas suffisante pour m'ouvrir la porte. Ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose nous a enfermé ici? Le monstre qui a enlevé Aoi, d'après toi? Bon sang, ne crois pas que ça sera du gâteau. Tu ne nous enlèveras pas comme... Ah oui. Tu y vas et poursuivons notre chemin avec prudence. Minoru et Falcomon sont gonflés à bloc. Ces deux-là vont s'en sortir.
Ah. Tu vois bien, Minolo, quelle tête! Takuma, derrière toi! Hein, derrière moi? Flippant. Qu'est-ce que... Je croyais avoir vu un enfant dans les escaliers, mais il n'y a plus rien. Oh bon sang, c'est pas vrai. Du calme, Minolo. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça a disparu. Tu penses que le... penses que c'était le fantôme? J'en sais rien, on devrait peut-être aller vérifier. Quoi que ce soit, il est allé au premier étage. Allons-y, Agumon. Ouais, elle est très dark, hein, l'ambiance du Digimon. Et en plus, je suis allé voir un petit peu les évols, etc. Parce que c'est là, pour l'instant, on est à 4 heures de jeu, mais c'est un truc de dingue. Hein. Les différentes évols, en plus, que c'est pas comme Pokémon. Hein. Salle de classe, on pourrait y retourner. Salle des profs, cafette. On va aller voir salle des profs. Est-ce que Aoi est ici? Après, faut aimer le visual novel, Gumo. Hein. C'est vrai que ça peut être le barrage sur ce jeu. C'est que pour l'instant, on a fait beaucoup, beaucoup plus de blabla que de combat. Je voudrais voir ce que ça donne plus loin. La Brahman. Oh, c'est toi, Takuma. Et Aoi, tu l'as retrouvé? Pas encore, j'en ai peur. Oh. Courage, la Brabonne. Il ne faut pas abandonner. Il reste encore des tas d'endroits à vérifier. Après, si on n'est pas pressé de rush le jeu, que voilà, on a envie de se faire une petite histoire régulièrement, et puis du tactical, c'est un bon jeu bien posé. On a énormément aimé Persona 5 ici. D'accord, donc oui, le dialogue te fait pas peur. D'ailleurs, Persona 5 qui arrive à la rentrée sur Switch. Encore un gros beau programme sur Switch. Hein. Je fais un petit break pour en parler. Mais demain, donc, il y a le direct de Splatoon 3 qui sort début septembre. Après, on aura droit à Nier Automata. On aura droit à Persona 5. Fin d'année, il y a Harvestella, qui est un genre de Rune Factory façon Square Enix. Donc je pense que ça va être du très lourd. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a un Tactical de Square Enix aussi qui pointe son nez en octobre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de gros titres là. Hein. Il y a Mario Lapin Crétin qui arrive aussi. Après, il y aura le Pokémon en novembre. En tout cas, on va pas être tranquille pendant un bon moment là. Pourquoi la Brahmone est-elle autant attachée à Aoi? Elles viennent de se rencontrer. C'est parce que Aoi est spéciale pour elle. Vraiment? Spéciale? Qu'est-ce que ça veut dire? Bureau du professeur. Rien que. Que de me tenir devant un bureau de professeur me crispe, c'est un réflexe. Ouais, moi aussi j'y crois énormément à ce jeu Square. Il y a aussi le jeu de Tactical là qui sort en octobre, je crois aussi. Il y a pas mal de sorties en septembre-octobre finalement qui se rajoutent. Vendredi, on va se tester aussi le dernier Devolver, Cult of the Lamb, qui s'annonce comme une pépite Devolver, hein, comme d'habitude. Donc, on aura la joie et l'honneur de le jouer ensemble et de le découvrir ce vendredi, du prochain live de la semaine. Si on compte pas celui de midi avec Xeno, bien sûr. Bureau du principal adjoint. Hé, Takuma, regarde, cette chaise est super confortable. Oui, elle a l'air aussi chic que le bureau. Quelqu'un d'important devait s'asseoir ici. Ouais, Devolver, c'est des tueurs. Je sais pas si t'avais vu le Devolver direct. Moi, je le regarde tous les ans et c'est un régal. En plus, ils avaient invité Suda51.
C'était énorme cette année. Mais qui est de plus important que les profs se trouveraient dans cette salle? Étrange. Un petit coup d'appareil photo. Ah non, il y a encore le caisson à tiroir. Qu'est-ce que c'est? Un carnet d'adresses? C'est dingue, il y a les adresses et les numéros de téléphone de tout le monde. Ce sont des informations personnelles importantes. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, appareil photo. Hop. Ouvrir la carte. Alors, on devait aller au premier étage, mais on va encore voir où est-ce qu'il y a du monde. Et on nous parle du deuxième étage. Salle de classe, il y a un événement. Cafétéria. Ouais, t'avais regardé, ouais, ils sont trop forts, j'avoue. Le premier était quand même archi violent. Premier et deuxième. Ils avaient choqué la scène, on va dire. Après, ça s'est mis un petit peu d'eau dans leur vin, mais ça reste vraiment très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On dirait qu'il y a quelque chose. Je pourrais vérifier avec l'appareil photo. Peut-être qu'on va pouvoir trouver du vinaigre. Ah, il y a un glitch. Qu'est-ce que c'est? Sparadrap obtenu. Ok, cool. Ouais, moi aussi j'aime bien. J'aime bien. Puis j'avais bien aimé dans l'avant-dernier le gars qui avait soi-disant plein de leaks parce qu'il avait son oncle qui avait une fois travaillé chez Nintendo. Ça me faisait délirer. Le gros troll de la mort. Bon, il n'y a rien de plus ici, j'ai l'impression. Tableau nutritionnel. Il est écrit quelque chose en petit sous le diagramme à secteur. On dirait une sorte de date, mais c'est trop effacé pour être lisible. Vaisselle. Les poils et les couverts ressemblent à de vieux jouets, mais ils sont très propres. Ah, il y a Minolo qui est toujours là. Chariot de nourriture. Il manque des roues à certains chariots de nourriture alignés. Je crois qu'il avait vendu une connerie très chère aussi. Ouais, je m'en rappelle plus. Tiens, faudrait que je les revoie. Ouais, puis ils envoient des bonnes douilles au gars du marketing à chaque fois. À toute l'industrie, en fait. Pas là non plus. Mais au moins, nous avons réduit le nombre d'endroits où peut se trouver Aoi. On avance. Oh, tu as raison. Allons examiner les endroits que nous n'avons pas encore visités. Ouais. Allez hop. Un petit coup de carte. Carte du monde. Salle des profs, on l'a faite. Gymnase, tout ça, ouais. On va aller en salle de classe, il se passe un truc, hein. Ouais, beaucoup d'amour pour Devolver. Ouais, j'aurais même pris un t-shirt sur leur site. Là, j'ai fait venir des États-Unis. J'ai payé autant de frais de port que de t-shirt, mais j'étais heureux. Ryu est là. Je devrais aller lui parler. D'ailleurs, le dernier Devolver qu'on avait fait, c'était le Card Shark, qui était vraiment très original. Très sympa. Et puis là, on va faire le Cult of the Lamb, alors. Moi, je l'attends. Il était dans le direct. Ça va être. Je pense que ça va être du lourd. Je pense qu'on va le voir un petit peu partout aussi, pour le coup. Ryu. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Qu'y a-t-il, Ryu? Il s'est passé quelque chose? Il a l'air effrayé, non? Un fantôme, j'ai vu un fichu fantôme. Oui, je l'ai vu aussi, mais nous ne savons toujours pas si c'était vraiment un fantôme. Bien sûr que c'était un fantôme. Cette fille n'était pas vivante. Hein? Une fille? Mais celui que j'ai vu était un garçon.
Tu plaisantes, on a maintenant des esprits sur le dos en plus de ce monstre. La petite musique Digimon. Sur clavier, bon tant pis. Imitation piano. C'est quoi ce bruit? Oh, c'est joli. C'est un piano. Est-ce que ça vient de la salle de musique? J'aimerais bien aller vérifier, mais Rio s'est évanoui. Je me vois mal le laisser là. Kunemon dit qu'il veillera sur lui. Super, je te laisse alors. Allons à la salle de musique, Agumon. Ouais. Ah, ça y est automatiquement. Non, ça le met sur la carte. Bah, ça serait couloir deuxième étage, je pense, parce que je vois pas de salle de musique. Salut Nico Danger, comment ça va? Bienvenue sur la matinale. Agumon, il découvre la vie, ouais, c'est clair. Nico, on est sur Digimon, troisième épisode. Voilà, c'est du visual novel tactical, ça n'a pas changé. Y a-t-il un moyen d'entrer dans la salle de musique? Bon sang, il y a trop de toiles d'araignée sur cette porte, je ne pourrais pas l'ouvrir. Viens mon petit, je joue du piano. Je suis sûr que le son de piano vient de l'intérieur. Il y a sûrement quelqu'un. À ton avis, que devrions-nous faire, Agumon? Oh, je suis désolé, Takuma. Même mes griffes ne sont pas suffisantes. Je vois. C'est un problème. Je devrais peut-être essayer d'appeler depuis l'extérieur. Hé, hey, il y a quelqu'un. Répondez-moi, s'il vous plaît. Aucune réponse, je n'entends même plus un seul bruit. Que se passe-t-il à l'intérieur? Ce n'est pas réellement un fantôme, si? Je suis pourtant persuadé qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on puisse entrer. Allons chercher ailleurs. Première quinzaine d'heures sur Xenon 3 passé, je démarre le chapitre 3. Bah écoute, Nico, j'ai visité à fond les maps. Enfin, pas encore, hein. Je découvre encore des choses sur des vieilles maps. Je suis à 73 ou 75 heures de jeu et je suis qu'au chapitre 4. J'ai fait énormément de quêtes annexes. C'est une folie. Je pense qu'on va atteindre les 150-200 heures pour arriver au bout du jeu. Après, en ligne droite, je sais que tu peux le faire en 50-60 heures. Mais je te conseille vraiment de prendre le temps de faire... de retourner dans les colonies, de faire les quêtes, de visiter, parce que le jeu est très 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 riche. D'ailleurs, Kabo, comment tu fais pour faire plusieurs gros jeux en parallèle? Ben, en fait, je suis essentiellement sur Xeno, Gemo. J'avais reçu Live Live une semaine avant, il est toujours sous blister. Digimon, je le réserve au stream, donc on avance tout doucement. Et j'avoue que là, comme on est sur un très gros jeu, j'avance sur Xeno à fond, dès que j'ai du temps en fait. Sinon, en général, je partitionne. Je partitionne. Je vais jouer peut-être 2 heures à un jeu, puis 2 heures à un autre, ou des choses comme ça. Mais en général, quand je suis sur des gros jeux de rôle, je suis assez exclusif. Et après, pour le reste, je me réserve les créneaux du stream pour pas faire que du Xeno par exemple. Quand un Digimon sort et qu'il est presque passé inaperçu. Bébé a mordu la boîte de Live Live. Du coup, est-ce que ça a abîmé la jaquette? Parce que sinon, si tu veux, Gemo, vu qu'on n'est pas loin en plus, j'ai des boîtes vides de Switch que j'avais trouvées au début de la Switch chez un fabricant allemand. J'avais acheté une boîte, un paquet de 10 ou 20. Donc c'était au cas où. Du coup, j'ai des boîtes toutes neuves.
Bord de la salle de musique, c'est fait. Agumon, c'est fait. Alors, allons voir ailleurs. Hop, la carte. Non, juste la boîte un peu. Bah, si t'as besoin d'une boîte, n'hésite pas. Tu sais que j'ai un tout petit stock. C'est exactement les mêmes boîtes. Voilà. On va aller au gymnase. Nico Danger, je partage complètement ton avis. J'allais reprendre les premières colonies à nouveau. Il y a des nouvelles quêtes pop et rajoute de l'épaisseur au scénario. Ouais, il y a énormément de quêtes, tu verras. Si j'ai un conseil à te donner, Nico, par contre, je sais pas si tu le faisais déjà, mais ne prends pas l'expérience bonus dans les camps. Parce que sinon, tu vas être surélevé au niveau du niveau. Surtout en faisant les quêtes et tout, ça gratte pas mal d'expérience. Si en plus tu rajoutes des expériences bonus, après tu vas rouler sur le jeu et tu vas t'emmerder dans les combats. Donc bien faire attention à ça, parce que même en passant en hard, ça reste easy quoi. Quand on monte à fond avec tes expériences bonus. Donc de toute façon, si tu les prends pas, elles se stockent, et tu peux vraiment débloquer niveau par niveau quand on a besoin, si vraiment tu galères à un moment de l'histoire. Mais en tout cas, c'est un petit conseil que je te donne. N'y va pas à fond sur l'expérience bonus dans les camps, sinon ça gâche l'expérience. Je pourrais examiner la porte. Porte du gymnase. Pas de soucis, Gumo. Ah oui, il est à l'intérieur, je le sens. Vraiment? J'en suis absolument sûr. Impossible que je confonde sa présence. Ok, au moins on est sûr qu'elle est ici. Ne t'en fais pas, oui, nous allons te sauver. Zut, impossible d'ouvrir la porte. Il n'a pas l'air verrouillé pourtant, c'est à cause des toiles d'araignée. Qu'est-ce qu'on doit faire, Takuma? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Elle est juste de l'autre côté et pourtant... Je dois la protéger. Pourquoi je n'arrive pas à la protéger? La mécanique des combats, pourtant, est balèze à maîtriser. Eh ben, écoute, c'est un mélange du 1 et du 2, Nico. Je trouve que ça va, en fait. Avec les tutos, si tu veux, je pourrais faire un petit aparté dans le live de midi. Le problème, c'est que je suis bien plus avancé que toi. Donc, j'ai sûrement des choses qui se sont rajoutées. Mais ouais, tu verras qu'après, il y a des mécaniques qui se rajoutent encore, qui sont assez simples à prendre en main et ça va tout seul. J'ai le pouce gauche gonflé à cause de mon tryhard intensif. Va falloir que je me calme, nous dit Gumo. Je suppose que c'est sur Multiversus. Moi, c'est quand je joue à Meat Boy, en fait, j'ai des crampes au pouce là. Et moi, je suis crispé. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour la Brahmone? Mieux vaut ne rien dire pour l'instant, ou je ferais mieux de lui parler. Que choisissez-vous, les amis, dans le chat? Premier qui parle à raison, droite ou gauche? Et même si vous n'avez pas encore parlé dans le chat, que vous êtes en lurk, vous avez le droit de répondre. Par contre, si vous êtes en VOD sur YouTube, il faudra attendre que le chat se décide. Ou vous pouvez avancer la vidéo aussi, peut-être. Ouais, bah pareil, ça me rend ouf que je dois devoir limiter parce que ma main n'assume pas. Je sais que j'ai déjà pensé, Gumo, que je ferai ma retraite tranquillou en faisant des jeux pépouze. Mais je me suis dit, et si je me tapais de l'arthrose, comment j'allais faire? Ou une connerie du genre. Ce serait la pire malédiction, ça. Ouais, c'est balèze, tu vois, j'avais raison de croire en toi, Gumo. Bon, sinon, qui veut choisir, droite ou gauche? Sinon, je choisis à votre place. 97e sur 512, c'est vraiment, vraiment pas mal, Gumo. Surtout que bah, le jeu démarre, quoi. Bon, je vais choisir, je ferai mieux de lui parler.
pense que je vais me taper de l'arthrose plus tard. Hein. Bah on verra, Guillaume. Je sais pas s'il faut peut-être lire des trucs avant, en amont de la vieillesse, pour voir comment on se préserve de ça. Peut-être que Nico a des pistes. Tout ira bien, la Bramone. Si nous travaillons ensemble, nous allons la sauver, c'est sûr. Mais comment nous n'arrivons pas à passer cette porte? C'est... L'ennemi doit sortir de là. Ça veut dire qu'il y a un autre passage. Oh oui, c'est bien vrai. Il doit y avoir une autre entrée. Je vais essayer de la dénicher. Ouais, d'ici là, il y aura la VR, bien vu. Après, c'est pareil, hein, si on se tape des merdes dans les épaules, les articulations et tout. À moins qu'on contrôle tout par la pensée. Quoi? J'ai reçu un message, mais comment? Je croyais qu'il n'y avait plus rien de fonctionner. Oh, un beau message en japonais. Mais je vais vous le traduire. Qu'est-ce que... Ça n'a aucun sens, c'est juste des symboles au hasard. Alors, c'est même pas du Jap. Il y a du Jap mélangé avec de... Avec un peu tout, du symbole, on va dire. Quelque chose ne va pas, Takuma? Oh non, ce n'est rien. Qui pourrait envoyer un message pareil? Bon, mieux vaut y réfléchir plus tard. Ah ouais, tu pensais hier, Gomo, c'est énorme. Même souci, mais pas les mêmes craintes. Moi, j'ai peur de moins voir l'écran. Bah d'ailleurs, je rejoins le club des binoclards bientôt là. Samedi, je vais aller commander, choisir des lunettes. Et puis bientôt, vous me verrez en stream avec des lunettes. Alors, ça sera pas tête de geekab, hein, ça sera tête de cabou normal. Et ouais, c'est clair que si on voit moins bien, etc. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai arrêté de jouer en nomade parce qu'il faut que j'ai des lunettes, par exemple, tu vois. Je suis beaucoup plus en docké. Peut-être que je vais rejouer en nomade avec mes lunettes, je sais pas. Mais c'est vrai que plus tard, il y aura les articulations, la fatigue aussi. T'imagines, tu lances un jeu et puis tu t'endors devant régulièrement. Déjà que ça m'arrive quand je suis très crevé. Et puis ouais, la vision. Effectivement, et l'ouïe aussi, peut-être. Si après plus rien n'est sous-titré, que tout est doublé. Quoi qu'on pourra toujours faire des jeux en Jap sous-titrés, j'espère quand même. Et je préfère les VO, moi. Pas besoin de le dire deux fois. Porte du gymnase, on prend l'appareil photo. Rien de spé. Ah, non, rien de spé. Ah bah ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Ça m'est arrivé plein de fois d'être entre le sommeil et la réalité, de sentir que je m'accroche à quelque chose. Et en fait, le quelque chose en question, c'est ma manette pro. Salle d'épreuve. Articulation grillée depuis des années, vive le paracétamol. C'est vrai que moi là, je commence à avoir des petites douleurs à droite à gauche avec l'âge qui avance. Et notamment aux articulations. C'est pour ça que j'y pense en fait. Je devrais peut-être inspecter cet endroit. Allez, direct l'appareil photo. Que dalle. Un petit coup de LR. Ah mais ça on l'a fait. Ah oui, tiens le bureau. Le bureau qui était pas net là-bas. Ah oui, sur les trucs de lecture, je veux bien, mais moi je me suis même endormi pendant des combats. Hein? J'ai entendu un bruit plus loin. Il y a quelqu'un? Une minute, c'est un ennemi? Pas de panique, c'est la Barman. Takuma, Agumon. La Brahmone, tu étais là? Désolé Takuma, je pensais trouver un indice, mais rien du tout. Hey, salut Seb Burnett du clan des Burnett, comment ça va? Ici, ça va bien. On est sur Digimon, on continue l'aventure. Épisode 3 pour nous. Alors, la Brahmone a le moral à zéro, que devrais-je faire? Alors, est-ce que vous allez laisser tomber la Brahmone? Ou est-ce que vous allez m'aider à faire un choix? Vers le haut, réfléchir d'abord à ce qu'il faut faire. Vers la gauche, rester enthousiaste.
et vers la droite, la réconforter gentiment. Que choisissez-vous, les amis? Bah écoute, Nico, il donne ce Digimon qu'il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de. On est beaucoup en visual novel, un petit peu en escape game ou en click and point, comme on peut l'interpréter, c'est-à-dire qu'on se balade et puis on fait des petites recherches. Et des combats tactiques, voilà, du tactical. Pour l'instant, il est bien, il est intéressant. On le pousse tranquillement petit à petit. Donc, il faudrait peut-être que je refasse un gros live de 3-4 heures pour bien avancer dessus. Pour voir un petit peu un peu plus les mécaniques. Mais pour l'instant, il est très très intéressant si on n'a pas peur de lire, en fait. Et au niveau de l'ambiance, c'est assez sympa. C'est assez sympa, c'est sombre. C'est mystérieux. Voilà. Restez enthousiaste, nous dit Guillaume. J'aime bien l'ambiance mystérieuse du jeu, en fait. Ne t'en fais pas, il y a forcément une entrée. Il faut quand même se dépêcher. Qui sait ce qu'Aoi est en train de subir? Elle doit être bien plus terrifiée que nous tous. Nous devons y aller, et maintenant. Alors, il est cher. Ce qui est marrant, c'est qu'il sort partout en Europe en cartouche, sauf chez nous. Et pourtant, il est francisé. Voilà. Bandai. Je sais pas. C'est peut-être les gars du market, les fake market du market de Devolver qui sont partis chez Bandai, je sais pas. Mais il a été attendu longtemps, hein, 3-4 ans quand même. Donc on espère que pendant tout ce temps-là, ils ont bossé dessus à fond. Peut-être qu'il baissera. Il y a souvent des promos Bandai Namco. On n'a pas le droit au bonheur. Bon, après, si les gens, pour ceux qui s'en fichent de la cartouche, c'est pas grave. Hein. Mais c'est vrai que pour les collectionneurs. Du coup, il est possible de le trouver sur Amazon DE, d'ailleurs, allemand. À un moment donné, il était dispo. Mais sinon, vous allez sur les sites Amster Joueur, Choco Bon Plan, Nintendo Alert, etc. Et ils mettent à jour leur page Digimon dès qu'on peut le trouver sur une marketplace, en fait. Ah, si je le prends, c'est sur PC. Il est sorti sur PC aussi. C'est vrai qu'il y a eu PS5 aussi, je crois. PS4. C'est vrai qu'il n'y a pas que la Switch, que moi, tu as raison. Je vais continuer à chercher. Et attends, la Brahman. Qui est cet enfant? De quoi parles-tu, la Brahman? Il y a un enfant qui marche dans ce couloir là-bas. Attends, est-ce que c'est le fantôme de tout à l'heure? C'est une impasse là-bas. Allons-y. Je passe devant. Aïe! Ne force pas avec ta blessure, nous allons y aller tous les deux. Ouais. Ok, je vous laisse vous en charger alors, je vous attends ici. Couloir, du coup. Ah, il y a toilette. Alors, je sais pas si je devrais. Salle des profs. Ouais, bon, on va aller aux toilettes. Je sais pas s'il se passe un truc ou. Il y a personne ici, mais c'est le seul endroit où elle a pu aller. Et cet endroit est vide, Takuma. Vraiment? Oui, mais je peux sentir quelque chose ici. Si Agumon sent quelque chose ici, je ferais mieux de jeter un œil. Sauvegarde en cours. Il y a forcément un indice ici, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. Plafond. Cette planche dans le plafond n'a pas l'air de tenir, je peux peut-être la bouger. Oh, regarde, Agumon, on a réussi, on peut passer par le trou maintenant. Soul Hackers, sort quand je pars en vacances, je suis deg. En parlant de Soul Hackers, je peux pas vous donner de date, mais nous aurons la joie, l'honneur et le plaisir de tester en preview, ensemble et en français, Dusk Diver 2. Voilà. Renseignez-vous si vous connaissez pas le jeu. Il était sorti sur Steam en début d'année en anglais et
On a l'honneur sur console d'avoir la trad FR. Et ça sort fin août, début septembre. Donc avant fin août, début septembre, on se fera un petit dimanche matin. Un live preview de Dusk Diver 2. Voilà, ça c'était la petite news que je voulais vous annoncer en live. Et du coup, ça ressemble un peu à du Soul Hacker, à du Shin Megami, à tout ce qui est à du Persona, voilà, toutes les histoires, tous les ersatz en fait de Shin Megami qui traitent d'étudiants qui affrontent des forces supérieures démoniaques. Donc c'est du beat'em up 3D à tendance JRPG de Skyver. Ouhou, c'est super, Takuma. Ah ouais, justement, j'allais l'écrire. Parce que je me suis dit, avec mon accent, ça va jamais passer. Dusk Diver 2. Elle est passée par là, ça signifie que ce n'est pas un fantôme. J'aimerais bien passer par là, mais tu penses que c'est sans risque? L'ennemi a aussi utilisé les trous, après tout. Nous n'avons pas le temps de chercher un autre passage. Les choses vont empirer. Oui, c'est vrai. Burk, il y a beaucoup de toiles ici aussi. Mais pas le choix, il faut aller de l'avant. Alors peut-être que ça sera pas un dimanche, la preview, ça va dépendre d'à partir de quand on peut le montrer et de sa date de sortie. Mais en tout cas, on sera une bonne session découverte 3-4 heures. Ouais, allons-y. Ok, je file. Bonne journée à tous, à plus. Merci d'être passé, Nico. Et régale-toi bien sur Xeno. T'as 15 heures de jeu, je peux te dire que t'as pas fini d'être émerveillé et d'être touché par l'histoire de Xeno qui est vraiment puissante. Et encore, j'ai pas tout vu. A plus. Et j'ai enfin vu le RPG que tu me parles depuis des mois. Ah oui, par les mecs de Messenger. Ah oui. Sea of the Stars, je crois que c'est un truc comme ça. Et qui a été repoussé encore d'ailleurs. Il sort l'année prochaine du coup maintenant. Mais tant mieux. Ça veut dire que ils fignolent et ça c'est... On peut leur faire confiance, les gars sont balèzes. Même Agumon est ok. Il dit ouais. Ouais, 2023 va pas être de tout repos non plus. Hein. Il y a aussi le Breath of the Wild 2 normalement. À moins qu'il nous fasse un coup de Trafalgar. Et qu'il sorte avant, mais je pense pas. L'année est assez chargée. J'ai oublié aussi qu'il y a Bayonetta hein, en octobre. Quand j'ai énuméré les jeux tout à l'heure qui allaient sortir d'ici Noël. Je pense qu'il va falloir faire un guide pour Noël, un guide d'achat sur le guac.fr parce que il va y avoir énormément de titres dispo. Tout le monde n'achète pas Day One. Souvent les jeux sont achetés en fin d'année. Et là ça va être le gros bordel avec tout ce qui sort. Donc un petit guide d'achat, ça pourrait être cool. Ah oui, Messenger, c'est une pépite, ça c'est clair. Le DLC aussi, une tuerie. Le fameux piano et il n'y a personne. Alors, où sommes-nous? Gunther, purée, j'avais oublié de lancer Twitch. Coucou,
Coucou Gunther, on est toujours sur Digimon le mystérieux. Digimon Survive épisode 3 dans cette matinale. Un piano, une partition, c'est une salle de musique. J'espère que tu te réveilles bien Gunther en tout cas. Quelqu'un est ici Takuma. Ah c'est les enfants fantômes. Ouah, c'est le fantôme. Vous nous avez donc trouvé. Je vais arrêter de lire, c'est doublé. Il parle et il n'est pas transparent. On peut oublier l'histoire des fantômes. Ils n'ont pourtant pas l'air normaux, j'ai l'impression. Comment est-ce possible? Gunther, période dure, toujours fracas, ça devient relou. À partir de jeudi, ça devrait se calmer au taf. Et moi, c'est un peu pareil, je dors pas beaucoup en ce moment, donc je suis toujours dans le gaz. Donc je te comprends, Gunther. Non, on veut du doublage. Bah écoute, là, ça bug plus le doublage, donc on laisse le doublage Jap, sauf quand il réfléchit. Comme ici, par exemple. La peau pâle comme le clair de lune et le visage inexpressif. Il semble irréel. Et comme ils font dans Xeno, Gunther, solidarité. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les mots du garçon sont amers. Il n'a pas l'air mal intentionné, mais il semble penser que nous sommes des gêneurs. Le provoquer? De qui parle-t-il? Et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On est sur Digimon Survive, c'est notre troisième session. Il n'a peur de plaisanter, et enfant ou non, cet ennemi est-il si fort? Bon, je sais au moins une chose. Cette fille fait des gestes au garçon. Bonne journée Seb, toujours sympa tes lives, bah merci. Les tiens aussi, hein. Je m'exprime pas toujours parce que je suis en train de jouer, donc je mets pas le son, mais je passe souvent leur clé chez toi pour te faire du people, et puis peut-être que tu vas devenir affilié après. N'hésitez pas à suivre Seb et Gemo, hein. Et Gunther. Suivez-vous les uns les autres, les amis, avait dit Kabu. Sœur, alors ces deux-là sont frères et sœurs. Elle a l'air de vouloir nous aider. On s'en doutait pas qu'il y avait une araignée géante dans le coin quand même, hein, avec toute l'étoile d'araignée qu'il y avait. Dokugumon, l'araignée géante. Alors c'était bien lui le bruit que nous avons entendu dans le trou tout à l'heure. C'est flippant comme ambiance quand même, hein. Mourir, entendre quelqu'un d'autre le dire, ça me fait froid dans le dos. Et qui sont ces gamins d'ailleurs? Est-ce qu'il s'inquiète pour nous?
Ça devrait aller pour moi, Agumon est à mes côtés. Et pourtant... Alors, qu'est-ce que je devrais leur dire? Vous allez vous battre? Ça c'est vers le haut. Ça ira pour nous, ne vous inquiétez pas. À gauche, ou alors tout ira bien pour vous deux? À droite. Le chat, premier qui parle, a raison. Je vous laisse choisir. Au gauche, j'allais dire au bas. Au bas, gauche, droite. Au gauche ou droite, que choisissez-vous? Qui prendra la responsabilité? De bon matin. Je vous laisse choisir. Et oui, je suis dur le matin, je vous fais choisir déjà comme ça. Il est même pas 8h20. On leur demande s'ils vont se battre. Merci Gumo. Pas de soucis, Gunther. Ouais, ils peuvent pas se battre apparemment. J'imagine mal un garçon et une fille survivre seuls. Sont-ils avec l'ennemi? J'ai archi pas suivi, j'avoue. Bah, ce sont des enfants, on pense fantômes ou de l'époque dans laquelle on s'est retrouvé, je sais pas trop. Essaye de survivre, et puis il y a une araignée géante qui est un Digimon qu'on appelle Dokugumon, je crois. Qui est au gymnase. Ils nous ont indiqué qu'il y avait des passages secrets sous la cafétéria pour accéder à tous les trous, les couloirs qu'il y a dans les combles en fait, pour accéder aux différentes pièces. J'imagine qu'ils n'ont pas envie de me répondre. Au moins, je ne pense pas que ce soit des ennemis, étant donné qu'ils nous ont aidés. Pour nous, ça va être go la cafette. Gumo, quand il a rien suivi, il choisit la bagarre. Il devrait y avoir un passage secret maintenant à la salle de sport ici, non? XP donc bagarre, c'est bien ça Gumo. やったね、タクマ。タクマ、そっちはどうだ。だから俺一人置いていく気かよ。なんだよ、俺は。一人でずっと教室にいたくせに。今度は俺らと一緒がいいのか。うっせ。なんか雲の巣が増えてきて、状況が変わったんだよ。 Ah, lui qui faisait le malin, en fait, il se chie dessus, clairement. クネモンだってこんなに冷静なんだぞ。クネモンは、これ冷静なのか？ミノレ、リョウ、見てくれ。これで葵さんを助けに行ける。ここを抜けると、きっと化け物と戦いになる。みんな、覚悟はいいか？ Allez, un petit combat quand même dans ce live, ça serait pas mal. On n'est pas que du dialogue. Petit combat de boss en plus. Oh!
Alors je pousse Digimon aussi pour une bonne raison, c'est qu'il a été testé à droite à gauche dans les premières heures et vite critiqué. Et je pense qu'en le poussant un peu plus, on pourrait quand même découvrir quelque chose de très très bon. Pour l'instant, c'est pas mauvais du tout hein, ce qu'on voit, donc il faut le pousser encore. Les rayons du clair de lune parsèment l'étendue entre de larges zones d'ombre. Et bien sûr, toute la zone est couverte de toile, plus que nulle part ailleurs. L'obscurité ne provient pas uniquement de la nuit. Le délabrement m'inquiète un peu. C'est comme être dans le ventre d'une énorme bête. Ça me donne des haut-le-cœur. Je détecte des bruits comme des proies dissoutes lentement par des sucs gastriques. Il va chercher loin là. Hein. ここが敵の住処なんだ。いた、葵さん。やべえ、マジで捕まってる。 奥するな、二人とも。クネモンの闘志を見習え。 なのか。くそ、ここからじゃわからない。早く助け出さないと。でも、どうすれば。何ぼーっとしてるのよ。行くわよ。あ、待って、ラブラモン。一人で行っちゃ。 Dokugumon. Il y a de l'action les amis, si vous êtes en lurk, venez jeter un petit coup d'œil. Dokugumon. Mais... Mais... Lors d'un combat, sélectionne quand... Bon, ok, ça c'est les petits conseils pendant le chargement. Alors, une araignée, on va la cramer. Hein, on peut choisir qu'un troisième. Maintenant, on le place. Alors, on est où là? Là, on a le boss. Et là, on a. Ah, on a trois Dokugumon. Ah, d'accord, c'est comme ça. Donc là, il y en a un. On va se mettre comme ça là. Ah non, c'est là ou là, d'accord, ok. Bah, allez, go. On est parti. Et oui, ça utilise le bonus du Day One, bien sûr. Alors, bouger, 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 bouger. On est sur qui? Ouais, alors. Est-ce qu'on attaque directement celui-ci? On peut attaquer de là? Non, je crois pas. Hein. Du coup, fin du tour. Et on se place face à lui. Oula, il y en a d'autres. Lui, c'est le heal.
Bah, il tabasse bien, non? Il est pas cheaté, non? Je pense pas. On ira voir. Là, par exemple, Agumon est niveau 6. Qu'est-ce que je fais? J'attaque par là. Moi, je vais quand même mener ceux-là de front. Non, c'est qu'ils sont deux. Alors. Je me mets plutôt ici. Je crois que je vais être trop loin. Ouais. Bon, pour l'instant, on va se protéger. Elle est niveau 2, tu vois. Fin du tour, ok. C'est à vue, ok. Il va me tirer une petite toile d'araignée là. Ah oui, d'accord. Bah, je te crame au prochain tour, c'est pas grave. Impact venimeux. Tiens, dans ta face, parler. Allez. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les rameuter. On peut se parler entre nous pour s'encourager, mais on peut aussi rameuter l'ennemi avec nous. Mais là, je pense pas qu'on puisse le faire. Hop, on se met de ce côté-là. Ah, il y a le gros là, faut faire gaffe quand même. Attaque groupée, allez, ciao. Ah oui, on peut parler à l'ennemi, mais là on peut pas. Ok. On va parler à Falcomon. Allez, deux en moins. Fin du tour. Impact venimeux. Ah, il y a un coffre là-bas. Alors, bougez. Non, ça va, il est pas cheaté. Non, c'est un petit cadeau. Cadeau pour Day One Edition. C'est One Month Edition d'ailleurs, c'est le premier mois. Bouger, oui, bah on va l'attaquer de dos. Hein. Pendant tenaille. Je sais pas si c'est un cadeau le coffre là. Je vois un petit moins dessus. Je vais essayer d'y aller, mais. Est-ce qu'on peut l'attaquer ce truc là? Non, on peut pas. On est peut-être trop loin, je sais pas. Bon, on va voir.
On essaye. Lui il me fait peur, il est un peu plus gros. Ah merde. Alors. On n'a pas le choix, on avance. Fin du tour. Ah, il fait bobo. Objet, attaquer. Ah, on peut attaquer le coffre, ouais. Blocage défensif obtenu. Sympa. Ah, j'aurais pas dû me rester de dos comme ça, mais bon, il est occupé avec les autres. On va se mettre là. Et puis, bah, on va attendre. Hein. Je crois que là, de toute façon, on a même plus de boule d'œuf. Objet. Boom. Alors, sparadrap. Restaure les PV. Non, j'aurais bien voulu restaurer des PS, mais tant pis. J'espère qu'il va pas nous buter Labrador. Ah oui, alors bouger. Déjà, on a quand même une petite attaque. De côté, coup de serre. Aussi de côté, c'est une bonne guerre. On va le choper de dos du coup. Ah, j'ai plus rien. Objet, si je fais objet, c'est paradrap. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On fera rien d'ici, je pense. Ah, quoique. Du coup, je vais mettre sur une autre case ici. Ah, un petit chargement. Alors qu'il n'est pas encore mort. Ce cri m'a pétrifié, il est puissant, plus que ceux que nous avons affrontés. On est mal, ils sont tous les deux effrayés, l'ennemi n'a encore rien fait. Oh yo 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 yo, c'est pas fini. Nous sommes encerclés, tout est perdu. Oh non, est-ce qu'on va mourir ici? Mourir? Comment en est-on arrivé là? Agumon et les autres sont dans le pétrin. Qu'est-ce qu'un gamin comme moi peut faire? C'est impossible que je batte ce monstre, je devrais peut-être me cacher et attendre. J'espère que t'es large pour le taf. Écoute, on prendra la largeur. Hein. C'est pas grave. J'ai pas de réu à 9h, donc... Peut-être devrais-je simplement m'enfuir. Que dois-je faire? Je
Je sais que je pourrais me glisser derrière Dokumon et sauver ma peau. Dokugumon, pardon. Mais alors j'abandonnerai tout le monde, suis-je vraiment capable de faire ça? Ah, c'est vrai qu'il est en plein doute, le Takuma, là. Hein, il croit en moi, même après toutes ses blessures. Ah, je suis tellement pitoyable, comment puis-je seulement penser à fuir? Comment ai-je pu décider que tout était fini alors que mes amis continuent de se battre? Je ne dois pas céder à la panique face à cette araignée, je ne fuirai pas. Est-ce que nous aurons dû nous PS pendant cette petite scénette? Ah, est-ce qu'on évolue, les amis? Alors peut-être qu'on l'a surencouragé. Ah. Ah, il blague plus là. En mode Denver. Ton tatouage de Ratpi sur l'épaule. Ah, maintenant c'est devenu Tuskmon. Ah, il est méga vénère là. Évolution. Alors pourquoi il y a le bouton évolution? Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a pas mal d'évolutions possibles. Ah, et on peut revenir en Agumon, c'est bizarre, hein, je sais pas. Ok, évolution, fin du tour. Ah non, j'appuie sur évolution. Je choisis, voilà, ok, fin du tour. J'ai pas le choix. Alors, bouge. Ah, tu penses qu'il va repasser en Agumon? De toute façon, c'est un peu le Pika de Digimon, hein. Ils nous ont rendu les PS, j'ai l'impression. Ah non, même pas. Allez, un petit critique. Du coup, il a pas pu attaquer Tuskmon. En moins. Ah, quand même. Ah, il peut pas bouger. Bon, on va le laisser là, on va attaquer direct. Frappe surpuissante. Ah non, on peut pas. Ah ouais. Ah ouais. S'il attaque de loin non plus. Bon. Il va falloir bouger, mais les mouvements sont pas terribles. Hein. Hop. On va attendre. Ah, dans le dos, j'aurais dû me tourner. En même temps, j'ai attaqué l'autre. Est-ce qu'on le perd? Pas encore. Je vais pouvoir le soigner, je sais pas. Objet, éventuellement. Ça va, on s'en sort.
salauds, ils arrivent par derrière. Ouais, t'as raison, il va falloir de la bande passante là pour finir le live. Alors bougez. Allez, on tente le tout pour le tout. Il va prendre cher, lui, il va regretter l'attaque dans le dos comme un traître. Allez, one shot. Victory! Ça monte bien les levels. Cristal d'endurance, on verra à quoi ça sert dans le prochain live. L'étoile disparaît devant nos yeux, c'est grâce à notre victoire sur Dokugumon. Le nid de la salle de sport disparaît aussi, ça doit être le cas dans toute l'école. C'est pas la dernière. Ouais, c'est quand on l'a encouragé en fait. En tout cas, si on veut le comparer à du Pokémon, le point fort de Digimon, c'est quand même qu'il y a de la consistance dans le scénario. Comparé à l'autre licence. Et c'est ce qui manque selon moi pour faire de Pokémon un jeu parfait. C'est un bon gros scénario RPG. Ouais, en plus apparemment on pourra changer de forme suivant le besoin, j'ai l'impression. Gumo, en parlant d'évolution, donc c'est pas mal.
Et puis il y a pas mal d'évolutions par Digimon, hein, j'ai l'impression. Donc, Est-ce qu'on peut sauvegarder comme ça la Sgenway? C'est dans Data, je crois. Hein. Ouais. Et je crois qu'en sortant, il nous propose même de sauvegarder. Je trouve quand même que c'est limité la comparaison, à part les bestioles, ça n'a rien à voir au final. Oui, je suis d'accord, Gunther, mais ça reste quand même le concurrent. En tout cas, ça l'a été à un bon moment, d'un point de vue licence globale, dessin animé, tout ça. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Après, c'est vrai que c'est du combat tactique, ça reste du combat de monstres pocket. Hein. Donc on peut quand même pour moi le comparer, mais c'est vrai que si on doit... Ça serait bien d'avoir un mix des deux en fait. Et après, ouais, il y a le côté dark qui est bien sympa, j'aime bien aussi, ouais, qui colle bien au visuel Noël finalement. Du coup, on peut sauvegarder comme des sauvages en pleine discussion. Donc c'est cool, hein, c'est un jeu qu'on peut faire, reprendre. Arrêter quand on veut. On met juste l'écran, c'est plus sympa. Et ben on va se laisser là parce que je dois aller enchaîner sur le taf, moi. Et puis on se retrouve à 12h30 pour le Xenoblade Chronicles 3. Le fameux, voilà. Donc il me tarde de reposer mes mains dessus parce que la dernière fois que j'y jouais, c'était hier soir quand même. Ouais, c'était il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vraiment, vraiment envie de continuer ce Xenoblade. Mais en attendant, je vous souhaite plein de courage pour cette matinée, quoi que vous fassiez. Je vous fais des bisous, des checks. Merci à tous ceux qui sont passés. On a eu beaucoup de lurks. Et puis, merci à ceux qui suivent notre aventure sur YouTube, puisque toutes les VOD sont balancées sur YouTube. Et on commence à avoir de plus en plus de vues. Donc, je voulais vous remercier, les YouTubeurs aussi, de suivre sur cette plateforme. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce sur la vidéo. La bisette, des poutous, plein d'amour dans ce stream. Je vous dis rendez-vous à 12h30. J'envoie l'outro que vous connaissez par cœur maintenant, mais ça fait toujours plaisir de se la voir. Et puis après, je couperai le stream tout simplement. Bye bye.